qu'est-ce que ça signifie d'être un homme? Alors là, il va falloir qu'on y aille par étapes, tu vois ce que je veux dire? Bah t'es un homme, tu dois pas pleurer. Faut frapper les gars, faut frapper! Allez. T'es pas une gonzesse. C'est plutôt facile pour toi de draguer? Ouais. Qu'est-ce que t'es catégorie? Le sujet qui rapproche tous les mecs, c'est les femmes. Vous en parlez comment, des femmes? Et toi, tu crois pas au prince charmant? Ben c'est quoi la vision du prince charmant, en fait? Tu vois, est-ce qu'il est vraiment charmant? Comment t'as su que t'étais amoureux? J'imagine à partir du moment où tu te sens suffisamment à l'aise et suffisamment... chez toi, quand t'es avec une personne. J'ai pas réussi à faire l'amour au début, avec elle. J'aime aucun désir. Et ça m'inquiétait, en fait. On nous bombarde du message qu'il faut bander dur, sur commande et longtemps. Je voulais faire carrière, je voulais être directeur, je voulais être chef, je voulais être machin, je voulais gagner plein d'argent. Elle est où, la masculinité inspirante? Il y a toute la masculinité toxique qu'on déconstruit. C'est comme si j'avais le choix entre être prédateur ou être invisible. Mais ça va, toi, t'as une bonne relation avec ta bite? Moi, j'ai une bonne relation avec ma bite, on va bien, les deux. Effectivement. J'en prends soin.